tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme j'ai pu voir en titre, c'est un haul spécial Action. Alors, j'ai un Action qui a ouvert encore plus près de chez moi que les autres. Donc, c'est cool. Et écoutez, c'est parti, je vous montre tout ce que j'ai trouvé. Alors, tout d'abord, j'ai trouvé ça. Donc, ça, c'est kit crochet fait des fleurs. Ça m'a fait penser à ma copine Marion. Parce que ma copine Marion fait du crochet, alors moi je suis une bille, je vais essayer de la faire. La petite demoiselle, ça serait joli dans la chambre de ma fille. Mais honnêtement, j'ai pas grand espoir. Il y a tout dedans, je vous ferai peut-être une vidéo ouverture pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà, j'ai trouvé super joli. Il y a d'autres modèles, mais j'ai craqué sur celui-là. Ensuite, je me suis pris mon masque pour les cheveux. Que j'adore, mise au point s'il te plaît. Voilà. Que j'adore, je le rachète à chaque fois que je vais à Action, c'est et je brille, je ne suis pas maquillée, j'ai la chaleur. Ensuite j'ai pris deux boîtes de faux ongles, alors là vous en voyez il m'en manque plein, voilà, ceux-là je les avais déjà, mais bon ils sont bien descendus, donc je les ai repris, et j'ai pris ceci aussi, voilà, histoire de tester. Ensuite, j'ai pris pour mettre dans la maison, j'ai pris ceci. Hop, donc ils sont plutôt bons, ça va, j'aime plutôt assez bien l'odeur et il y a un on-off, on. Et même l'oreille, je l'ai fait de là-bas, j'arrive à sentir l'odeur et c'est... J'aime bien, franchement j'aime beaucoup l'odeur, donc voilà. Ensuite, je me suis repris de la crème solaire. Ce serait bien qu'il fasse la mise à point automatique. Ce serait cool. Donc je me suis repris de la crème solaire parce que la mienne que je vous avais déjà montré, je crois, c'était en spray. Et comment vous dire qu'avec le centre, ils m'ont liquidé en 2 secondes. Donc j'en ai repris toujours un 10-50. Ensuite, j'ai pris ça. C'est de l'huile pour mettre avant et après le rasage, ou que avant ou que après. Enfin voilà. Pareil, à tester et je vous en reparlerai. J'ai l'impression de ne pas être nette, c'est horrible. Voilà. Ensuite, j'ai pris ça pour les cheveux. Donc en fait, c'est une petite brume. Maintenant que je vous l'ai montré, je peux l'ouvrir. C'est une petite brume. En fait, ça me fait penser un peu à Sol de Janeiro. Alors, j'ai jamais testé vraiment, mais je vois des packagings passer sur TikTok et... j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le packaging, je trouve que sur ma coiffeuse ça va faire hyper bien, donc voilà. Ensuite j'ai repris des élastiques, toujours besoin d'élastiques, toujours, surtout moi. Mon chéri m'a repris des freins pour changer ceux de mon vélo, voilà. Alors je sais pas ce qu'ils valent, s'ils vont être bien, s'ils vont aller, pas aller, il essaiera et il me dira. Ensuite, j'ai pris deux blushs qui sont comme ça. Donc, il y a la 161 Pink Blossom et la 167 Peach Kills. Est-ce que je peux vous le montrer comme ça en vous faisant la mise au point? Allez, mise au point, s'il te plaît. Voilà. Et s'il y a une des deux teintes que j'ai, ou les deux teintes, je vous le mettrai de côté pour vous faire un concours. Je sais plus ce que j'ai à force. Avant de finir, j'ai voulu tester ces petites choses là, donc l'eau lotion, c'est en gros à mettre avant, je crois que c'est avant la base. Utilisez la lotion comme base éclatante sous votre fond de teint. Donc je testerai et je vous en reparlerai. Et j'ai pris 3 blushs en stick. Ceux-là, je sais que je les ai pas. J'ai les highlighters, je crois, mais j'ai pas les blushs. Donc j'ai pris ces 3, voilà, ces 3 dingues qu'il y avait, j'ai pris les 3. Voilà, je vous montre pareil, je vous fais une petite mise au point pour les teintes. Et voilà, pareil, hâte de les tester et de vous dire mon avis dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram que je vous mets en description. Je vous ferai je vous donnerai mon avis là-bas. Donc écoutez, voilà tout le monde. J'espère que ce petit haul Action vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en description. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite à vendredi prochain même pour une nouvelle vidéo.